Ma carcasse qui ne m'aurait jamais pardonné, mes sorties spatio-temporellement bornées, me reproche mon zèle imbécile. Alors cerclé de près par ce confinement, j'ai cru bon de me soumettre à un don de mon sang pour me tailler de mon domicile. Comme j'en suis voisin, c'eût été mauvais calcul à l'hôpital Saint-Louis de confier mes globules. Mes jambes elles-mêmes me déclarèrent que vers la rive gauche, elle souhaitait m'amener en un trekking marais Louvre-Saint-Germain-des-Prés. Terminus la salpêtrière. D'autant que cet hôpital, au temps des Bourbons, était un lieu d'enfermement, de répression, et je trouvais assez caustique que cet endroit ayant si funeste mémoire devienne pour moi synonyme d'échappatoire à ma prison kilométrique. Craignant fort de devoir payer 135 balles, mes promenades étaient réduites au bacchanal, Saint-Martin et sans les ménades. Mais le centre historique, vidé de ses touristes, allait m'enivrer de ses airs surréalistes, d'où le récit de ma balade. Drainé de ses passants, le marais est si beau, mais qu'aussi mon exécrerait son Sébasto. Vision de cauchemar ou de rêve. Et place de l'hôtel de ville, je compris enfin le nom dont on l'affublait dans les temps anciens. La place semblait faire la grève. J'imaginais le Louvre vidé de ses gogos, ce qui ne donnerait pas une ombre triste au tableau, mais une quiétude inestimable. Sur le pont des Arts, les fâches se faisaient discrets, et les bateaux mouches n'ayant pas droit de citer, la Seine paraissait balnéable. Comme un Renault, moi je suis amoureux de Paname et ne pouvais pas manquer de saluer Notre-Dame ce 15 avril anniversaire. Tout près à la Huchette, tant pis pour Ionesco, le célèbre théâtre a tiré le rideau en 63 ans, une première. Référence gardée à la cinéphilie, rue Poliveau, une telle traversée de Paris se devait de faire une escale. T'as voulu voir Paris, qui m'aurait dit Jacques Brel? J'y aurais dit qu'à midi ça chauffe à Saint-Marcel et me v'là boulevard de l'hôpital. C'est dans la rue Bruant qu'est le centre de Don, un Bruant qui sans doute aurait plu à Macron. Non, ce n'était pas Aristide. Vous chercherez vous-même sur Wikipédia le macroniste prénom de cet oiseau-là, célèbre aussi aux Invalides. Tant qu'on en est à parler de toponymie, en attendant un vaccin pour la pandémie,
rendons hommage au grand Jenner. Et si l'hôpital public manque vraiment de blé, je ne dirais pas que la salle pétrière fait pitié pour ce qui est des vieilles pierres. L'entretien médical fut un moment de grâce, un mois que je n'avais parlé à personne en face, exception faite de ma voisine. Puis j'en demandais pardon par avance à cette fille, anticipant ma volupté quand son aiguille viendrait me sucer l'hémoglobine. Au moins, si prodiguais-je une aussi bonne humeur, pareille saignée ne dure au plus qu'un quart d'heure. Il est risqué d'absorber plus. Et à moins qu'on y décèle quelques aberrations, après le prélèvement et la collation, on dit merci et puis à plus. Je repris alors le chemin des écoliers, ayant encore davantage de temps qu'à l'aller, pour explorer mes lieux fétiches. Et en ces tristes temps où notre chère goguette n'a pu trouver de refuge que sur Internet, j'allais saluer la péniche. Manque à la rue Crémieux, près de la gare de Lyon, manque les curieux qui ne sont plus légion, que l'Instagram le leur pardonne. Et dans la rue de Bercy, qui prend souvent la flotte, une cave inondée n'est pas qu'une anecdote. Ça donne un beau Capharnaüm. Enfin, comme Ulysse qui a fait un beau voyage, je mis le cap sur Répu et le doux rivage de mon canal et son quai que j'aime. Moi qui ne voyais plus Paris depuis un mois, rentrais-je en mes pénates plein d'images et d'émoi, requinqués pour quelques semaines. Mes amis des Chartrons ou ceux de Jolimont, qui aimeriez aussi voir d'autres horizons, Outre-Garonne de préférence. Allez donc comme moi, donnez de votre sang à Pellegrin pour Bordeaux, pour Toulouse à Purpan, vous offrir un jour de vacances. Allez donc comme moi, donnez de votre sang à Pellegrin pour Bordeaux, pour Toulouse à Purpan, vous offrir un jour de vacances.